on se retrouve enfin pour découvrir ensemble ce que j'ai commandé sur le nouveau site d'Eva Beauty Access. On l'a attendu ce nouveau site, mais il est enfin là. Donc j'avais vu sur la page Facebook d'Eva, elle a fait une vidéo de sa boutique pour nous faire voir ses nouveautés. Donc en nouveauté, j'ai pas pris grand chose. Je vais vous faire voir au global ce que j'ai pris, nouveauté comme pas nouveauté, sachant qu'il y avait un article qui me plaisait, bon, qui était hors budget, je suis limitée niveau budget en ce moment, je verrai plus tard, mais c'est un cover, je sais plus comment ça s'appelle, ça a rajouté à votre fond de teint pour lui donner encore plus de couvrance. Donc voilà, comme j'ai pas de fond de teint qui sont hyper couvrants, je me suis dit que ça, voilà, quand on a quelques boutons, quelques imperfections, ça peut être pas mal l'hiver pour bien camoufler tout ça. Je trouvais que c'était un produit intéressant avec les tests qu'Eva nous avait fait sur sa page Facebook. Voilà, donc j'ai voulu essayer quelques nouveautés et reprendre donc une petite commande. Donc on va l'ouvrir ensemble tout de suite. Donc le nouveau site, je trouve vraiment vachement bien. Il est bien plus fluide que l'autre. Sur l'autre, dès qu'on était à quelques minutes à plus rien faire parce qu'on est occupé au téléphone ou autre, bref, on se faisait éjecter du site, on perdait la totalité de notre panier, on n'avait plus qu'à recommencer. Au niveau des stocks, je crois qu'Eva, elle était embêtée aussi. Enfin, voilà, le seul problème que j'ai eu sur le nouveau site, c'est vraiment parce que je suis arrivée la première sur le site et j'ai constaté les bugs et je les ai communiqués à Eva. C'est juste que j'avais pas pu payer par carte bancaire. Le site est apparu à 18h. 18h05, j'étais sur le site. J'ai même appelé Eva pour lui dire. J'étais trop contente de l'avoir au téléphone. Voilà, donc on va commencer donc à ouvrir, sachant que donc j'ai toujours mon petit sac rose. On a toujours le flyer. Voilà, donc le grand flyer avec toutes les coordonnées d'Eva. Donc sa boutique se trouve chez elle, hein. C'est une chambre qu'elle a transformée en boutique. Et moi, c'est ce que j'avais fait quand j'avais ma boutique également. C'était pas une chambre complète comme elle. Malheureusement, ça n'a pas aussi bien marché qu'elle, mais c'était un petit coin de ma chambre, une petite commode où j'avais rangé tout mon maquillage à l'intérieur. Donc ça m'a fait rire quand j'ai vu sa boutique. Voilà, donc on commence tout de suite, je déballe. Donc oui, quand j'avais appelé Eva, c'était pour avoir le teint parfait, une poudre compacte que j'aimais beaucoup de la marque Yes Love, mais il n'y en a plus. Et c'est vrai que j'avais testé celle-ci qui, pour Eva, est similaire. Moi, j'ai pas trouvé qu'elle était aussi bien. Mais bon, voilà, donc c'est pour les peaux grasses. Donc c'est LC Balance. Donc voilà, j'ai pris ma teinte d'été, bien que c'est la plus claire. Ouais, c'est joli, c'est marqué Yes Love dedans. Voilà, donc elle sent rien. Donc c'est des poudres minérales. Je crois qu'elle n'a que des poudres minérales, donc non comédogènes. Voilà, donc j'ai pris la teinte 01. Et donc je crois qu'elle est pas. Je crois que ça va aller aussi bien l'été que pour l'hiver. Mais bon. Voilà, donc de toute façon, j'en ai au moins deux à finir là avant d'entamer les nouvelles que je mets en stock. Alors ensuite, j'ai vu les vernis, j'ai dit non Katia, tu ne vas pas craquer. Et si, j'ai craqué. J'ai craqué parce qu'il y en a un, franchement, mais il est trop joli. C'est de la marque Winnie. Donc c'est un quick dry. Regardez cette couleur. Est-ce que vous allez bien voir? Regardez. Il est mais juste magnifique, magnifique, magnifique. Bon, j'en ai des couleurs comme ça, mais pas pas pailleté de cette façon-là. Voilà. Donc ça, je suis super contente. Et puis, j'ai voulu essayer ceci aussi. Donc, je l'ai pris en bleu, mais il y en a d'autres couleurs. C'est le peel-off, c'est-à-dire que c'est un genre de pâte que vous allez mettre comme un vernis tout autour de l'ongle, sur les cuticules et sur la peau tout autour. De façon, enfin tout autour, vraiment au ras de l'ongle, de façon à ce que si vous vous ratez et que vous mettez du vernis sur les cuticules ou sur les peaux, vous savez, tout autour du doigt,
que vous puissiez retirer un petit peu comme un film plastique quand vous avez fini votre manucure, ce qui vous permet à pas vous embêter à prendre un coton-tige, du dissolvant, etc. Donc ça, ça fait longtemps que ça existe, seulement Eva teste tous les produits avant de les mettre en vente et elle en a trouvé un qui l'a satisfait. Donc voilà, de la marque Winnie, donc c'est une marque qu'on retrouve beaucoup sur son site, c'est une marque qu'on aime beaucoup pour ses palettes, donc on va voir avec ce produit ce qu'il vaut. Donc ensuite j'ai pris une palette de correcteur, donc ça c'est une palette que je vois depuis un petit moment sur le site, que je me suis décidée à prendre, mais ce sera la dernière essai de correcteur je pense que je vais faire, parce que j'en ai marre, je ne trouve pas de correcteur qui couvre la cerne. Des correcteurs qui, sur le coup, qui couvrent, mais qui, une fois qu'on a étalé, etc., il n'y a plus rien. Ça, j'en ai. Un que j'aime bien, que je vous ai monté justement, c'est celui-ci. Donc, c'est de la marque Laetitia Velle, il me semble, oui. Ça c'en est un de la boutique d'Eva que j'aime bien parce qu'il illumine, mais il couvre pas ma cerne. Donc, je suis comme tout le monde, hein, j'ai des cernes plus ou moins foncées en fonction des jours et ma cerne est violette. Donc je vais vous faire voir une image que vous pourrez retrouver chez Google Images. Et donc voilà, c'est ceci. Donc en fait ça c'est les couleurs contraires. Par exemple, si vous avez une cerne rose, franchement moi si j'avais des cernes roses je les garderais. Hein. Donc si vous avez une cerne rose pour pallier à cette couleur, il vous faudra mettre du vert dessus. Vous voyez, c'est la couleur opposée. Donc moi, j'ai une cerne qui se situe, on va dire, entre les deux, là. Donc il me faut quelque chose de jaune-orangé pour couvrir, chose que je n'ai pas. Sauf que sur cette palette, j'ai vu qu'il y avait du orange et quelque chose d'un peu ocre. Donc je pense qu'avec ces deux couleurs, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc ça je vais le mettre dans ma salle de bain également parce que quand on a des petits boutons, des rougeurs, eh bien il faut savoir que c'est du vert qu'il faut mettre. Alors à force évidemment on finit par savoir, mais voilà, en pense bête, je pense que je vais mettre cette petite image dans ma salle de bain et que je vais pouvoir tester cette palette au fur et à mesure que j'aurai des petites taches, des petits boutons. Alors donc, parlons de la palette un petit peu. C'est de la marque Yes Love. Donc, il y a 5 couleurs différentes. C'est vendu avec un petit pinceau comme ça. Donc, je l'aime plutôt bien. Je dirais que pour l'application, ça peut être bien. Et après, se tomber avec une éponge, pourquoi pas. À voir, je ne sais pas trop comment je vais l'appliquer encore, ce qui sera le mieux pour moi. Donc là, on a quelque chose d'un peu rosé. Donc, j'ai le chat qui monte sur ma feuille, donc ça va être facile. Donc là, celui qui est complètement à ma gauche, donc ce sera pour des taches vertes. Voilà. Le vert à côté, ce sera pour des taches rouges. Le orange et l'ocre, donc ce sera dans les bleus violacés. Et celui-ci, je dirais que c'est un illuminateur pour mettre à la fin, pour donner cet effet de lumière. En fait, moi, il va falloir que je joue sur ces trois-là qui ont du jaune à l'intérieur. Il va falloir que je joue sur les trois pour arriver à trouver comment cacher ma cerne. J'en ai pas partout et bon bah là on est en fin de journée. Donc ce que j'ai mis ce matin c'est parti. Et pourtant ce matin, comme anti-cerne, j'ai mis un fond de teint qui est trop clair pour moi. Donc je l'ai mis de façon à faire un bandeau lumineux autour de mes yeux. Et comme ça, ça cache les cernes. C'est vrai que ça dure pas toute la journée. Donc voilà, je vais essayer cette palette et après, si ça marche pas, je sais vraiment pas ce que je vais faire. Donc, on continue avec des rouges à lèvres, donc de cette marque-là, donc des Donna. J'en ai mis un aujourd'hui sur les lèvres, donc c'est un permanent 12 heures. Je les aime beaucoup, ils sont crémeux, mais ils ont de la tenue. Ils ne dessèchent pas du tout comme ils sont crémeux, je les aime vraiment beaucoup. Et donc là, j'ai pris le numéro 5.
Donc on va le regarder ensemble. Ouais. En plus j'aime bien les rouges à lèvres bâton comme ça. Donc c'est quelque chose d'assez sombre. Ah, il est joli. Ah, ouais. Il est très 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 joli. Ouais, j'aime beaucoup 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 beaucoup. Et je vais vous faire voir ce que j'ai. En fait mon petit pot derrière c'est... je change souvent les rouges à lèvres que je mets dedans. Puisque j'en ai, la plupart sont dans ma salle de bain. Mais ici quand je fais des vidéos, souvent je monte et puis je me dis mince, j'ai pas mes rouges à lèvres. Donc du coup j'en ai toujours ici. Et de la marque Donna, j'en avais déjà deux que j'ai bien aimé. C'est pour ça que j'en ai repris. Donc j'ai un numéro 5 également, mais qui est pas identique, hein. Qui est plus clair. Alors je sais pas pourquoi, c'est pourtant un numéro 5 aussi. Vous voyez qui est plus irisé, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Voilà, donc ça doit pas être dans la même lignée en fait, la même série. Voilà, donc parce que là j'en ai un qui est mat dans le dernier que j'ai pris, et avant il est quand même irisé. Et là j'ai un numéro 6 ou 9 du coup, je sais pas. Qui est très joli également, qui est ici. Voilà, je les aime beaucoup. Moi, vous savez que je suis pas copine avec les mats, hein, pas trop. J'ai toujours les lèvres très fragiles, donc ça c'est vraiment très très bien. Alors il y a du transfert, hein, comme ils sont crémeux, mais ça a beau transférer, vous le gardez quand même jusqu'à manger, et même après manger vous en avez encore. Faudra juste faire une retouche, mais ça c'est normal, hein. Mais voilà, je les aime beaucoup, donc je suis contente d'avoir cette nouvelle couleur qui est mat et qui, ma foi, me plaît beaucoup. Donc on continue avec un Winnie 24 heures. Donc celui-ci c'est un mat. Donc faut que je regarde si au niveau des lèvres comment il va se comporter. De toute façon moi quand ça me brûle trop les lèvres, au bout d'un moment je mets de la baume. Et puis du coup ça mélange le rouge à lèvres mat à la baume et ça me fait quelque chose de crémeux. Et en général je supporte pas plus de 3-4 heures. Voilà, donc le packaging est juste super joli. La présentation du bâton est super jolie. Donc la marque Winnie, hein, qu'on retrouve toujours. Bon, il n'y a pas d'odeur, je ne sais pas pourquoi je le sens toujours, mais bon. Donc on va le mettre ici. Ouais, il est joli. Alors évidemment j'ai mis de la crème tout à l'heure sur les mains. Donc il est ici, donc c'est des roses comme j'aime. Hein. De toute façon vous voyez les mauves, les roses. C'est tout à fait des couleurs que j'aime. Donc il est pas mal du tout. À voir maintenant comment il va se tenir. Donc sachez que de toute façon moi tous les... à chaque fois j'achète du make-up, je les mets dans un coin dans ma salle de bain et ils sont à tester. Donc c'est les premières choses que je mets sur moi dans les jours qui suivent pour pouvoir les tester. Ensuite on continue en rouge à lèvres puisque j'ai un rouge comme ceci, un 24 heures. Donc c'est des lip gloss. Donc vous avez un côté coloré et vous avez un côté, je vais pas dire gloss, je vais dire huile. Parce que ça fait pas quelque chose de collant. C'est vraiment quelque chose, une huile en fait, qui vous permet justement que ce mat ne vous fasse pas mal. Alors je vais essayer de les ouvrir parce que là j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ouverture facile. Ah si, j'en ai trouvé un. Donc j'en ai pris un rose comme ceci. Et donc je voulais mettre dans l'autre sens. Il est beau. Ouais, il est super beau. Alors ça se ressemble un petit peu tout ça, hein, parce qu'après ça va être les textures, hein, qui vont être différentes. Mais bon bah il est beau, hein, c'est des couleurs comme j'aime. Et comme je vous disais, de l'autre côté, c'est pas, ne croyez pas que c'est un gloss que vous allez mettre par-dessus, mais c'est bien une huile. Hein. C'est liquide, vous le verrez pas là. Mais c'est un embout mousse, tout comme pour le rouge à lèvres. Mais huile, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Parce que au lieu de mettre du gloss et de détruire mon rouge à lèvres, au bout de quelques heures, je remets un petit peu d'huile. Et franchement, le rouge à lèvres ne bouge pas en fait. Donc c'est vraiment adapté. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Donc j'en ai un rouge dans ma salle de bain que j'aime beaucoup. J'en voulais un rose, c'est fait. J'en voulais un mauve, mais
J'en avais vu dans la boutique pourtant quand elle a fait le tour, mais là j'en ai pas revu sur le site. Ou alors c'est au niveau de la couleur, c'est les photos qui passent mal, mais j'ai pas vu dans les tons mauve. Donc je vais ouvrir celui-ci. Donc celui-ci, j'ai pas trouvé l'ouverture facile, mais c'est pas grave. Donc là j'ai pris quelque chose que j'ai pas trop l'habitude. C'est un nude marron, enfin c'est un marronné. Je sais pas comment vous allez le voir, mais bon, c'est un marronné. Ouais, il est pas mal. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de ces couleurs là. Je sais pas comment vous allez le voir. Mais bon, c'est un marronné. C'est un nude assez foncé marronné. Je vais bien voir. Je pense que pour les jours où je fais quelque chose d'un petit peu chargé sur les yeux, parce que j'ai pas l'habitude du tout, ça c'est quelque chose que je pourrais mettre sur les lèvres. Ensuite, j'ai pris il y a quelques temps à Eva un crayon blanc pour mettre dans la muqueuse. Et je l'avais essayé sous le sourcil, mais ça fonctionnait pas du tout. Donc là, c'est tout à fait partie des nouveautés de chez Eva. Donc c'est de la marque Carlo, je sais pas quoi. Donc c'est un crayon crème. Donc par contre c'est un crayon à tailler, donc j'ai hésité à le prendre, mais bon, tant pis, elle avait que ça. Donc je vais le swatcher, j'ai de la place. Ouais, voilà, donc il est un petit peu jaune, hein, et je pense que voilà, celui-ci va être plus adapté au-dessus de l'œil, là, juste en dessous du cil. Je pense qu'il va être un petit peu plus adapté que le blanc qui était prévu pour la muqueuse. Ensuite, j'ai vu qu'elle avait des faux ongles. Donc, vous savez que de temps en temps, je mets des faux ongles. En ce moment, j'ai rien parce que des fois, j'aime bien les laisser une ou deux semaines se reposer. Donc, je lui en ai pris deux parce que j'ai hésité. Ils sont tous les deux mignons. Donc, c'est des courts, hein. C'est pas des longs. J'aime pas les longs. Je préfère les courts. Donc, j'en ai pris rose à pois blanc. Et blanc à pois rose, ils sont trop mignons. Et en fait, c'est un double face qu'il y a derrière. C'est pratique parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. Par contre, je trouve que ça tient pas aussi bien qu'avec de la colle. Donc, Eva conseille pour les petites filles, les jeunes ados par exemple, de mettre ces faux ongles-là sans colle. Mais pour les adultes, un petit point de colle en plus, ça permet une meilleure tenue, moi c'est ce que je vais faire. Alors ça j'ai pas commandé, mais j'ai vu sur sa page Facebook que maintenant dans les commandes on avait des échantillons de parfums. Donc ça c'est cool parce que c'est des rappels à la marque, hein, qu'elle fait, donc c'est des dupes, hein. Mais quand on connaît pas le parfum à la base, comment on peut savoir si on va aimer ou pas? Donc même si on va aller chercher sur internet les notes de fond, de cœur, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai vite abandonné, parce que quand vous voyez des descriptions du genre « cette senteur électrique », ben moi, je suis désolée, je travaille pour EDF, l'électricité n'a pas d'odeur. Hein. Voilà, donc bon. Donc, elle m'a mis un petit échantillon coco. Donc, je pense que ça doit être le dupe de Coco Chanel, je pense. Donc, je vais pouvoir le sentir. Donc là, je vais faire des catastrophes, j'ai les mains grasses. Mais je vais le sentir et puis ça va me permettre de voir si je le teste la prochaine fois. Et j'ai autre chose ici que j'ai pas commandé du tout, de la marque Easy Paris. C'est un crayon. Un crayon 24 heures. Ah, il est joli. Voilà, je vais vous le faire voir. C'est un brun. Alors, je vais le... Ouais, il est joli pour changer du noir des fois dans la muqueuse ou en trait d'eyeliner. Voilà, il est ici. Évidemment, j'ai bien fait de le mettre là. Voilà, bon, de toute façon, je pense que vous voyez. Voilà, c'est un brun. Il est super joli. Ouais, je pense qu'il va bien se travailler. Et je pense effectivement en trait d'eyeliner. Par contre, ça, c'est un truc qui va se tailler. Donc c'est pas grave, j'ai de quoi dans la salle de bain, je le taillerai. Merci Eva, parce que des crayons de cette couleur-là, j'en avais pas. C'est vrai que je suis habituée au violet, au noir, enfin les trucs un petit peu basiques. Et des couleurs marronnées comme ça, j'en ai pas. Et c'est vrai que ça peut changer en trait d'eyeliner. Donc merci beaucoup Eva. Donc on finit par une autre toilette, parce que quand même, j'ai passé du temps sur le site à en choisir une. Donc j'en ai pris une. Donc j'ai pris Armand
Alors, Armandi Diamond. Donc ça doit être diamant d'Armand. Enfin, je vous mets exactement le parfum que ça doit être. Donc pour elle, donc c'est les parfums Prady. Et donc je me suis fiée un petit peu à ce que j'ai trouvé sur internet. Et je voulais reprendre également Astuce, de toilette que j'aime beaucoup, mais je ne l'ai pas revue sur le site, donc je ne sais pas si elle en refera ou il va falloir que je lui demande. Donc les bouteilles Prady sont tous de cette forme là. Il y a juste l'étiquette qui change et la couleur du bouchon, c'est tout. Alors, regardez, on va mettre dans le bouchon. Ouais, ça sent bon. Ah ouais. Ouais. Là, je suis contente parce qu'en parfum, je suis un petit peu chiante, on va dire. Ah non. En plus, il est pas entêtant, mais il a du caractère, vous voyez. Autant, il y a des jours où j'aime bien des choses un petit peu légères, mais qui se sentent. Autant, de temps en temps, j'aime bien le parfum de caractère. Ouais, là, je vais pas vous dire ce que ça sent parce que je suis nulle. Mais ouais. Donc, je vais l'utiliser et je vous en redirai des nouvelles au niveau de la tenue, etc. Ouais, ils sont bons. Une fois que ce sera terminé. Voilà, donc, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller sur le site puisque moi, quand j'ai commandé, toutes les nouveautés n'y étaient pas. C'est dommage. De plus, une fois que j'ai commandé le mercredi à 18h sur sa page Facebook, Eva a annoncé une promotion puisque maintenant avec son nouveau site, elle peut un petit peu s'amuser à faire des promos, des lots, des choses comme ça. Donc le mercredi à partir de 18h, il y avait les parfums, tous les parfums à 3,90€ au lieu de 5€. Et ça c'est pendant une semaine et je pense, je suppose que tous les mercredis à 18h sur sa page Facebook, elle nous annoncera une promotion sur un produit. Donc je pense que c'est plutôt intéressant. Moi je vais attendre le premier produit, je vous ai dit à le cover là, il est à 7,90€. Je vous mets le lien en barre d'infos, même si je ne l'ai pas commandé. Voilà, j'attends de l'essayer avec impatience. Mais je vous dis, bon bah financièrement, voilà, j'ai des travaux à faire à la maison. Je veux bien me faire plaisir, mais bon, voilà, j'ai déjà un budget vraiment très très serré. Voilà, donc en tout cas, mission cette semaine, c'est d'essayer tout ceci, aussi bien les crayons pour les yeux que les rouges à lèvres. Et le parfum, ça... Et je pense que le prochain vernis, ce sera celui-ci. Et pour être sûre de ne pas déborder, je vais mettre ça. Voilà, donc je vous laisse visiter le site d'Eva. Je ne sais pas comment ça se passe. Je sais qu'il y a aussi un système de parrainage qui va se mettre en place. Si j'ai pas mis de lien de parrainage sous cette vidéo, n'oubliez pas d'envoyer un petit mail au niveau contact du site à Eva pour lui dire que vous venez de ma part. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.